Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, c'était pour le crash test du kit... ça fait bip sur mon téléphone. Le crash test du kit aquarelle, le Watercolor Inks. Voilà, alors on va dire top ou flop. Alors, je suis mitigée. Vous allez voir après... bon, c'est pas de l'aquarelle, bon, c'est de l'aquarelle liquide, mais c'est aussi, je pense qu'il y a de l'encre dedans, parce que, bon, j'en ai eu, bon, là, maintenant, j'ai lavé mes mains. Bonjour, Fifi. Bonjour. J'en avais eu sur les mains, et j'ai eu un mal fou pour l'enlever sur les mains, déjà, même au scotch brite. Ça voulait pas partir. Je sais pas. Bon, moi, ayant l'habitude de me servir des aquarelles normales, bon, c'est bien pour s'amuser, on va dire. Voilà. C'est bien pour s'amuser. Bon, déjà, les deux toiles qu'ils mettent pour essayer... elles sont bien. Je veux dire, bon, c'est bien pour essayer, pour s'amuser. Bon, j'ai fait des mélanges de couleurs, mais bon, les mélanges sont pas top. Il y a le petit flacon avec paillettes. Les paillettes, faut mettre le nez dessus, hein, quand même, pour le voir. Sinon, voilà. Bon, c'est pas un truc que j'irai racheter, ça c'est sûr. Bon, là maintenant je les ai. Hein. Mais, alors déjà, le pinceau réservoir d'eau, je n'ai pas eu moyen de l'ouvrir pour remettre l'eau dedans. Pas eu moyen, même Chouchou a essayé. On a eu beau faire tout ce qu'on voulait. Pas eu moyen du tout, à croire qu'il était collé. Donc du coup, il est resté sur le côté. Je me suis servi du mien, mais pas moyen. On a même essayé avec la pince. j'ai pas réussi du tout à l'ouvrir pour mettre l'eau dans le réservoir. Donc déjà ça, c'est fait. Voilà. Bon, puis c'est des flacons qui vont pas durer longtemps, hein. Vous allez faire trois peintures avec, ça y est, c'est mort, il n'y a plus rien. Mais bon, voilà. Bon, peut-être qu'il y en a d'entre vous qui ont adoré, qui ont aimé, qui n'ont pas aimé aussi. Moi, je suis dans celles qui sont un peu dans les flops. Petit flop, voilà. D'ailleurs, bon, là, je suis... Même quand j'ai montré à Chouchou le résultat du dessin, il m'a regardé et m'a fait « bon, bon ». Pardon. Donc, voilà. Bon, j'avais dit que je ferais le test, que je vous dirais ce que j'en pensais. Bon, de toute façon, pour le prix, c'était 2,90 €, je crois, 2,40 €, un truc comme ça, je ne sais plus, j'ai plus le ticket. Ça vaut les 2 €, voilà. Mais, bon, la deuxième toile, je l'ai gardée, je la ferai avec des vraies aquarelles, voilà, pour dire ne pas gaspiller, hein, je la ferai avec des vraies aquarelles. Mais, voilà.
C'est pas... Je ne saute pas au plafond, hein, pour ça. De toute façon, l'action, c'est toujours, toujours comme ça. Soit qu'on va être co super content parce que ça va être un bon article, ou soit ça va être... voilà. Hein? Alors là, je suis plutôt dans le... Donc... Ça y est, il y a Fifi qui joue à saute-mouton entre le meuble de ma cuisine et la table de ma salle à manger. Elle adore ça. Hein, Fifi? Oui. Tu Fifi? Mais alors, je vous jure, hein, hier, mais, quand j'ai eu fini la peinture, le truc, bon, je vais laver la... Par contre, j'ai su le petit, la petite, petite fleur pour mettre la petite palette, hein, voilà, chercher le nom. Elle s'est nettoyée tout de suite nickel. Mais sur les mains, ça tient. Mais alors j'étais là avec mon scotch-brite. Je mets, ça part pas, ça part pas, ça part pas. J'ai dû prendre du cif. J'ai mis du cif sur les mains et puis j'ai frotté, frotté, frotté. Ça ne voulait pas partir. Je sais quoi ça? Qu'est-ce qu'ils ont mis dans l'aquarelle? Mais je crois que c'est de l'aquarelle avec de l'encre. Voilà, je crois qu'il y a de l'encre dedans. Alors là, j'avais, c'était bleu, et là, c'était rouge. Mais ça ne voulait pas partir. Je dis, bah, je suis chouette là maintenant. Alors avec le cif et le scotch-brite, côté vert, hein, bien sûr, j'ai réussi à l'enlever. Mais je sais quoi. Donc voilà, et je me suis doutée parce qu'à un moment, j'avais fait une tâche. J'ai fait une tâche. Hé, non, Fifi, on ne peut pas. Non. Maman, elle ne veut pas ça. Hein. Recule, Pacha. Elle veut donner des coups de patte à Pacha. Du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, j'avais fait une tache de rouge sur mon tableau. Et souvent, avec l'aquarelle normale, vous remouillez à l'eau claire votre pinceau. Vous refaites sur... Non, 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 elle va vous embêter. Elle n'est pas d'humeur ce matin. Et vous remettez de l'eau. Vous essuyez avec un. Elle me perturbe, Fifi. Vous essuyez avec un sopalin, voilà, n'importe, et la peinture s'en va. Et là, non. Tintin, la peinture reste. Vous avez beau mettre de l'eau, ça s'en va pas. Donc, voilà. Donc, non. Pour moi, c'est plutôt comme ça. Voilà. Bon, j'ai acheté, j'ai essayé. Et voilà. Donc, bah, si vous les avez achetés, venez me dire en commentaire ce que vous, vous en avez pensé. Peut-être que vous, vous avez adoré, hein. Qui sait? Et j'aimerais avoir votre ressentiment également bah, sur ce kit de Watercolor Inks. Déjà, le ink, c'est ça, hein, ça veut dire encre, je crois, puisque je crois que dans les trucs d'encre, il y a ce mot. Donc, il y a de l'encre dedans. Donc, ce n'est pas tout à fait de l'aquarelle. Alors, venez me dire ce que vous en avez pensé. Moi, bon, voilà, maintenant, ils sont là. Je ne sais pas ce que je vais en faire, mais bon, on verra bien. Le deuxième tableau, donc je ferai la vraie aquarelle et puis ben, je vous le montrerai, je vais vous le montrer quand je l'aurai fait, bon, je sais pas, cette semaine, la semaine prochaine, je verrai ça. Allez, je vous laisse avec Fifi, les oiseaux qui sont énervés ce matin et je vous fais à tous des gros bisous. Je vous laisse visionner la vidéo quand même, hein, malgré que je trouve ça moche. Et on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo, de nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. Bon visionnage quand même. Désolée. Allez, gros bisous, à bientôt.